Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne sais pas encore qu'il faut laisser dormir ton vieux père quand il peut faire la grasse matinée? Emporte ça. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je sais pas, je vais voir. Ça va? Tu ne vas pas au bureau aujourd'hui, on est samedi. J'ai promis à ce monsieur Caldwell d'aller voir son ranch. Je serai à la maison pour dîner. Oh. Au revoir. Au revoir. Tiens, papa, je te vais emprunter une cassette. Ah, tu t'intéresses à la musique classique maintenant, Brian? Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Interrompons ce programme de musique classique pour un message personnel. Cher papa, sache que la musique d'aujourd'hui, c'est le rock. Il faudra t'y faire. Qui êtes-vous? Je m'appelle George Ress. Je suis venu voir Monsieur Caldwell. Tenez, le voilà. Vous avez des enfants? Justin te cherche partout, Grégory. Bienvenue, Monsieur Ross. Ça ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. On dirait plutôt un club de vacances. C'est à ce garçon que vous devriez dire ça. Venez par ici, je vais vous faire visiter notre foyer d'accueil. Ça, ce sont les fenêtres du dortoir. Et la cafétéria et la salle de réunion sont dans le même bâtiment. Là, là, du calme. Il leur arrive d'être assez turbulent. Oh, j'en ai six comme ça à la maison. J'ai l'habitude d'être bousculé. Alors vous allez vous sentir comme chez vous ici. L'assistance sociale nous verse un loyer pour chaque gamin qu'on accueille. La plupart du temps, ils ne sont pas placés ici à la suite d'un délit. Ils sont là parce que leurs parents les ont abandonnés. On ne les présente plus, ils sont les secondes de la compétition danse sur glace. Rien ne les différencie des autres gamins de leur âge. Vous croyez? Celui qui est sur le canapé, ses parents sont sans domicile fixe depuis qu'il a 5 ans. Il a toujours habité dans des foyers. Quant aux parents du petit, ce sont des dealers. Il a passé la moitié de sa vie dans les rues. Chaque enfant ici a une histoire différente. Doucement, Justin. Sa mère est une toxico. Il est très agité. Il n'a pratiquement aucune chance d'obtenir un placement définitif. Allez, file-moi ton roi. Et puis ton as pendant qu'il y est. Vous avez déjà vu Grégory tout à l'heure. C'est le plus jeune. Un gamin parmi tant d'autres. Parents séparés quand il avait 4 ans, et depuis il a été trimballé un peu partout. Il est arrivé ici après des séjours dans 3 foyers d'accueil différents. Comme la plupart de ses camarades, il a une carence affective énorme. Attrape, connard! Mitch, laisse-le tranquille, calme-toi. Oui, monsieur. Si tu ne sais pas comment t'occuper intelligemment, j'ai 2 ou 3 idées, si tu veux. Non, merci, monsieur. La plupart de ces garçons... Parlez-moi un peu de lui. De Mitch? Oh, non, non. De Grégory. Il avait l'habitude d'être battu. Sa mère semble s'intéresser beaucoup plus à elle-même qu'à son enfant. Quant à son père, c'est un alcoolique. Quelle heure est-il? 2h30. Elise, il faut que je te parle d'un enfant que j'ai vu au ranch. Tu ne veux pas qu'on reparle de ça demain? Mmh.
Tu n'as pas fermé l'œil de la nuit? Non. Non. Je ne pouvais pas. Je pensais à l'époque où on est venu vivre dans cette maison. Oh. Tu te rends compte? Ça fait presque 15 ans. Alors qu'un an, c'est presque une éternité pour un enfant. Mais c'est Robert et toi. C'est la première fois que tu me montres cette photo. Oui, parce que j'ai passé une partie de ma vie à essayer d'oublier ces années-là. Même si c'était dur pour moi, c'était encore pire pour Robert. Il n'avait que 11 ans quand maman est morte. Georges, de quoi tu voulais me parler? Hier, quand je suis allé visiter ce ranch, j'ai vu un petit garçon. Et quelque chose en lui m'a vraiment bouleversé. Non, c'est sans doute parce qu'il avait l'air tellement seul. Oh, mon chéri, je ne sais pas si tu as bien fait d'accepter de faire partie de cette commission. Non, ce n'est pas la commission. Ce n'est pas la commission. C'est ce petit garçon. Il a besoin d'une famille. Ça, c'est certain. Et j'ai très envie de le recueillir, ce gamin. Chérie, je crois que ce ne serait pas raisonnable. Je sais. Il y a tellement d'enfants malheureux sur cette terre, on ne peut pas tous les recueillir à la maison. Je me disais que cet enfant... ça aurait pu être moi. Passe-moi le plat. T'inquiète pas, on va pas te laisser mourir de faim. Je vais aller chez Marie pour faire mes devoirs. Je viens avec toi, comme ça je verrai Julie. Oh non, pas question. Une seconde, il faut qu'on vous parle. Oh, encore une conférence. Va t'asseoir, Mélanie. Ouais, en tout cas, moi, j'ai rien à me reprocher. Est-ce que vous auriez envie d'accueillir ici un nouveau petit frère? On va pas avoir un autre bébé? Non. J'ai rencontré un petit garçon qui est placé dans un foyer. Il s'appelle Grégory. Il aura bientôt 12 ans. Votre mère et moi pensons qu'il serait plus heureux ici que dans ce foyer. Je voudrais que nous prenions cette décision d'un commun accord. On ne va pas avoir assez de chambres? Il nous reste la chambre d'amis. Mais on avait dit que c'était moi qui devais prendre la chambre d'amis, puisque c'est la dernière année que Johnny et moi en partagent notre chambre. Brian, ce n'est pas une raison suffisante, tu le comprends bien. Je trouve qu'il y a suffisamment de garçons dans la famille. Si on prenait une fille. C'est un autocollant de Dave Justice. Regardez. C'est un champion de baseball, c'est ça? Oui, et il y a un défaut d'impression. Ça donne à l'autocollant encore plus de prix. Alors au lieu de valoir, disons, 4 dollars, je peux le revendre 6 dollars. Quel est ton passant préféré, Grégory? Oh, je sais pas. Les trains électriques. Tu aimes l'école? Pas vraiment. Combien d'enfants vous avez? 8. Vous vouliez vraiment autant d'enfants? Quand nous étions jeunes mariés, nous en voulions 12. Plus que dans une équipe de football, mais ils sont assez nombreux pour jouer au baseball. Tu as l'air d'être un vrai fan. Tu fais partie d'une équipe? Et voici Amy et Robert, nos deux aînés. Ils sont à l'université en ce moment, mais ils viendront pour les vacances de Noël. Quel âge il a? Il a 20 ans. Grégory... je me demandais si ça te plairait de venir vivre chez nous et de quitter le ranch. Quand? Quand est-ce que je pourrais venir? Attends, attends, du calme. On a encore du pain sur la planche avant que ce soit officiel. Alors, ce n'est pas la peine de t'énerver. Ouais. Je dois discuter avec monsieur et madame Ross. Pourrais-tu nous laisser seuls pendant quelques minutes? Va donc m'attendre à l'intérieur. D'accord. Au revoir, Grégory. À bientôt. J'espère. Eh, ils voulaient quoi? Ils veulent que j'aille vivre chez eux. Ouais, sale menteur. Je te mens pas. T'es jaloux parce qu'ils veulent pas de toi. Arrête de mentir, ce petit morveux. Les enfants qui vont être placés s'attirent des problèmes. Il faut savoir qu'ils sont en compétition permanente pour l'affection, la nourriture. Il m'a traité de menteur. Il m'a traité de menteur. Il m'a enfoncé un chiffon dans la bouche.
Allons, Grégory, calme-toi, calme-toi, allons. Calme-toi. Je veux venir chez vous maintenant. Ça va aller, Grégory. Calme-toi. Je vous en prie. Mike, je vous suis très reconnaissant d'avoir fait accélérer la procédure. Alors, jeune homme, tu as dit au revoir à ton cheval? Ça y est. Il a perdu un fer hier soir, j'ai pensé que ça te porterait chance. Merci. On y va? Merci, Mike. Au revoir. Au revoir et merci. Tu n'as pas le trac, au moins? Non. Bonjour, je m'appelle Mélène, moi c'est Stéphanie. Il connaît déjà vos prénoms, toutes vos mauvaises habitudes et tous vos défauts. Bonjour, la réputation. Comment je m'appelle? Toi, c'est Brandon, c'est ça? C'est tout ce que t'apportes? Oui, j'ai laissé la plupart de mes affaires là-bas au ranch. Et si on montrait à ce garçon où est sa chambre? Allez, viens, Grégory. Appelle-moi Sean, d'accord? Je croyais que tu t'as appelé Grégory. Autrefois. Maintenant, c'est Sean. Bon, bah viens, Sean. Attention. Il ne va pas t'imaginer qu'on mange toujours autant de bonnes choses le vendredi soir. Mets ta serviette. Tu vas te salir. Papa, j'ai eu un à mon interro d'histoire. Ah, bravo. J'étais sûr que tu aurais une bonne note. Je te félicite. Brian. Je peux pas m'empêcher de rire. On dirait les montagnes de Disneyland. Non, non, ça ne fait rien. Sean, garde la purée. Venant des petits, je peux comprendre. Mais vous, les grands, c'est impardonnable. Je suis désolée, papa. J'ai pas pu m'en empêcher. Vous auriez certainement trouvé ça moins amusant si depuis des années vous mangiez à la cantine tous les jours. Mais on aurait réagi de la même manière si ça avait été quelqu'un de la famille, je t'assure. Et puis tu as insisté pour qu'on le traite exactement comme l'un des nôtres. D'accord, mais je pense qu'on peut y arriver sans l'humilier. Allez, ça va. Allez faire vos devoirs. Je trouve que tu as manqué un petit peu d'humour. Non, non. Je crois que nos enfants manquent de sensibilité. Oh, tu exagères. Non, ils n'ont aucune idée de ce que ça peut être que d'aller se coucher sans avoir mangé. D'avoir une maison sans chauffage. Georges, c'est une situation très délicate pour les enfants. Ne complique pas les choses. Il résistera, il n'est pas en porcelaine. Oh, papa, si tu avais vu Julie aujourd'hui, elle était folle de rage parce que sa maman lui a coupé les cheveux. Oh. Ils sont plus courts que les miens maintenant. Je parie qu'elle n'est pas aussi jolie que toi. Oh, papa. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Waouh, quelle élégance. Oh. Non, ne l'enlève pas. Tout ça t'appartient maintenant. C'est à toi. Oh, c'est pas mal du tout, dis donc. Tu es très chic. Lise et moi, on s'est dit que tu aurais peut-être besoin de vêtements. Merci. Mais je t'en prie. Tu aimes ta chambre? Oh ouais, c'est génial. Le lit est très confortable. Sean, je voudrais que tu te sentes vraiment chez toi dans cette maison. Lise et moi, on ne fera aucune différence entre toi et nos enfants. Ici, chacun a ses responsabilités et doit accomplir de petites corvées. Et en plus, il faudra faire tes devoirs. Est-ce que tu es croyant? Non. Bon, eh bien, on ne t'obligera pas à croire si tu ne veux pas croire. Mais j'aimerais au moins que tu viennes au temple avec nous le dimanche. D'accord. Tu vas vite faire partie de la famille, n'est-ce pas? Pour toujours? Oh, il est encore un peu trop tôt pour dire pour toujours. Mais attends de voir si tu te plais ici. Mais je sais que je m'y plairai.
Et des familles d'accueil, j'en ai connu plein. Je sais. Allez, il est tard, il faut que tu dormes maintenant. Bonne nuit, Jaune. Bonne nuit. Bonjour. Bon dimanche. Vous aussi, bonjour. Alors, comment va la famille ce matin? Très bien. Bonjour les garçons, bonjour. Tiens, bonjour Lise. Comment allez-vous, Georges? Permettez-moi de vous présenter un tout nouvel arrivant. Voici Sean. Un nouveau visage dans votre famille. Comment vas-tu, Sean? Ça va, merci. J'adore ta cravate. Tu voudras bien me la prêter un jour? C'est maman et papa qui me l'ont offerte. Ah. On se verra à la réunion mercredi. Entendu. Merci, Georges. Au revoir. Au revoir. Bonjour, madame. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va avaler un sandwich? Je dois faire une déposition. À quelle heure? Dans 45 minutes. N'oubliez pas votre rendez-vous avec Cadwell Orange pour examiner le rapport de la commission. Oui. Cathy, soyez gentille. Appelez Lise pour moi et demandez-lui si elle aimerait qu'on se retrouve pour dîner tous les deux, sans les enfants. Allez, à très bientôt. Et bon week-end. Mademoiselle. George Russ. Le père nourricier de Gregory Kingsley. Oui, je me souviens. Comment va-t-il? Oh, il va bien. Très bien, merci. J'étais sur le point de vous appeler. Je me demandais si les services sociaux avaient pris une décision au sujet de l'enfant. Est-ce qu'il vous a demandé de l'adopter? Oui, bien sûr, il a tâté le terrain, je lui ai dit de ne pas s'emballer. Bien. Mais pour vous dire la vérité, après 2 ans passés dans plusieurs foyers d'adoption, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit impatient d'être adopté définitivement. Mmh. Vous saviez qu'il ne veut plus parler à ses parents? Je sais, je l'ai lu dans le dossier. Non, mais pas moi. Ça m'aiderait bien pourtant. Si vous demandez à avoir accès au dossier, vous connaissez la réponse, c'est confidentiel. Oui, mais je ne trouve pas ça très logique, franchement. Vous ne croyez pas que je tiendrais mieux mon rôle de père si j'en savais plus sur lui? Vous n'êtes pas son père, vous assurez sa garde provisoire. C'est inutile qu'il s'attache trop à vous pour le moment. Mais que voulez-vous que je fasse? Que je l'enferme dans sa chambre pour être sûr qu'il n'éprouve aucune affection pour nous? S'il y a du changement, vous en serez le premier informé. Oh, bravo. Hé! Tu vois? Je te trouve vraiment lamentable. Tu peux toujours embrasser maman, ça n'empêche que c'est à toi de mettre la table. Et c'est à toi de sortir les poubelles. J'ai toujours pas retrouvé mon Walkman. As-tu demandé à tes petits frères? Ouais, ils disent qu'ils n'y ont pas touché. Donc ça n'arriverait pas si tu rangeais tes affaires. Si jamais Brandon l'a pris, je vais le massacrer. Est-ce que tu lui as emprunté son Walkman? Non. Tu en es sûr? Je ne te gronderai pas. Non, j'y ai pas touché. Sean? J'y ai pas touché.
pas fait exprès de le casser. Je l'ai trouvé quand je suis venue ramasser ton linge sale. Alors j'espérais que tu me le dirais toi-même. Tu vas me renvoyer là-bas? Bien sûr que non, je suis heureuse que tu sois là. Mais le mensonge est un défaut que je ne peux pas accepter. Chez aucun de mes enfants. Oui, mais j'ai pas fait exprès de le casser. Dans ce cas, il faut avoir l'honnêteté d'en parler. Alors maintenant, tu te débrouilles comme tu veux, mais je compte sur toi pour le dire à Brian. Ce qu'il faut à cet enfant, c'est avant tout de la stabilité. Et je ne peux même pas lui promettre que je vais le garder chez moi. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi l'administration ne nous dit rien. Vous voulez que je vous dise? Moins ils vous fournissent de renseignements, et plus ils contrôlent la situation. J'aimerais l'aider, mais si je n'ai pas accès à son dossier, j'en serais incapable. George, vous savez que si ça ne tenait qu'à moi... Oh mon Dieu, je me mets à parler exactement comme eux. Mike, il faut que j'aie accès au dossier. Je dois assister à une réunion du personnel, mais... Vous pouvez rester dans mon bureau en mon absence. N'avait que 4 ans quand ses parents se sont séparés. Quand Ralph, son père, avait un petit coup dans l'aile, il s'en prenait à Rachel et aux enfants. Alors Rachel a pris avec elle les deux plus petits, Ralph a pris Sean, et il l'emmenait un peu partout avec lui. C'est probablement pour ça qu'il a pris autant de retard à l'école. Et ça nous explique aussi pourquoi il n'a pas l'air d'être très attaché à sa mère. Oui. Il y a 2 ou 3 ans, Ralph a été accusé de mauvais traitement à enfants. Et Sean a dû repartir vivre chez Rachel. Elle ne l'a gardé que 5 mois, puis s'en est débarrassée aux services sociaux. Depuis, il est allé de foyer de jeunes en famille d'accueil, et ainsi de suite. Et tout ça sans recevoir un seul coup de téléphone de l'un ou de l'autre de ses parents, pendant presque un an. Est-ce que l'État a essayé d'intervenir? Bien sûr. Ils sont allés leur faire tout un tas de recommandations. Les résultats des tests indiquent qu'il a un besoin impératif de stabilité et de soutien affectif. On s'en doutait. Et ça s'est passé il y a 18 mois. 18 mois, ils ne sont toujours pas convaincus qu'ils soient prêts pour une adoption. Tu en es convaincu, toi? Naturellement. Il faut qu'ils soient adoptés, oui. Adoptés par nous? Lise, je crois que ce garçon vit un moment capital de sa vie. S'il arrivait enfin à trouver l'équilibre, il irait déjà mieux. Mais je redoute ce qui pourrait se passer s'il devait repartir chez sa mère. Ce que je voulais te dire, c'est qu'on ne doit pas se faire d'illusions. Je pense que le genre d'engagement que nous prendrons a ses propres limites. Sean est en situation d'échec scolaire. Je passe autant de temps rien qu'avec lui pour l'aider dans ses devoirs qu'avec nos autres enfants, tu le sais bien. Sans parler de ses troubles de comportement, il passe la moitié de son temps à dire des mensonges. À son âge, c'est normal. Et puis, ça n'est peut-être pas sa faute. Il a des excuses, je le sais. Je passe avec lui plusieurs heures tous les jours. Je sais ce qu'il a enduré. Je pense honnêtement que je n'aurai ni le temps ni l'énergie de m'occuper de celui-ci, car je n'oublie pas que nous avons 8 autres enfants. On prendra le temps. Comment? Toute la journée, tu es déjà très occupé par ton travail. Quand tu rentreras à la maison, il y aura Sean avec ses problèmes. En plus de nos autres enfants qui méritent aussi l'attention de leur père. Ensuite, avec un peu de chance, on trouvera peut-être 2 minutes pour se parler avant de se coucher. Qu'est-ce que j'en pense? Je ne sais pas, George. Très honnêtement, je l'ignore. Nouvelle force, 2 fois plus de brillance. Nouveau shampoing Elsev Vitamax de L'Oréal. Du jamais vu, une nouvelle formule brevetée au magnésium et aux multivitamines pour renforcer la fibre capillaire. Pour des cheveux visiblement plus forts, au maximum de leur vitalité. Vitamax apporte à vos cheveux 2 fois plus de brillance.
Nouveau shampoing SF Vitamax de L'Oréal. Vitamine et magnésium, rien que pour vos cheveux. Parce que vous les balayez bien. Rien ne te retient. L'autre jour, je mangeais un curry et en même temps, j'étais sur mon lit. Et mon lit, c'était un patou. Et là, j'ai vu une île. Il n'y avait personne, à part deux vaches. Et après, je ne parle pas aux vaches, je connais pas. Curry à la crème de lait. Le monde devrait toujours être comme une grosse tartine de curry. Curry, c'est aussi curry goûté. Des petits biscuits croustillants à tremper dans une barquette de curry onctueux. Monsieur Propre est la vie de tous les jours. Quand tout est propre, vous ne pouvez tout de même pas demander à votre famille de marcher sur les murs pour ne pas salir. Alors voilà un truc très pratique. Mes nouvelles lingettes Sol Express. Une bonne odeur de citron et toute ma force légendaire pour nettoyer facilement vos sols en un clin d'œil. Et hop ! Champion. Monsieur Propre, nouvelles lingettes Sol Express. Vite fait, bien fait. Théa, rien ne te retient. J'ai revu Jack au lycée. Il a une moto toute neuve. Oui, je l'ai aperçu hier qui fumait dans le quartier. Tu l'as vu. Sean, tu peux arrêter de zapper sans arrêt. Sur la plupart des régions, dans la matinée, les températures trop élevées de la mi-journée entraîneront des orages parfois violents. Sean, excuse-moi, mais ça m'empêche de travailler. Va travailler dans ta chambre. Je fais toujours mes devoirs ici. On des orages parfois violents sur toute la côte ouest. On voit très nettement sur la carte un énorme système nuageux qui continue son parcours vers le nord. Il a perdu un peu de sa puissance pendant la nuit. Tu peux te pousser. Il va reprendre de l'activité au cours de l'après-midi. Pourquoi ? Je suis bien plus intéressant que la télé, non ? Pousse-toi, je le dis à mon père, tu veux ? Je trouve pas que je danse bien. C'est pas ton père. Plutôt variable qui nous attend dans les prochains. C'est pas ton fils. Moi, je suis ton fils. En plus, il raconte dans toute l'école qu'il est vraiment mon petit frère. Il s'est tout approprié dans cette maison et il ne parle de toi qu'en disant mon père. Si j'étais dans sa situation, j'essaierais de me faire un peu plus discret. Mais tu n'as jamais été dans sa situation. Qui sait comment tu réagirais? Imaginez quel effet ça te ferait si tu n'avais jamais personne auprès de toi qui pense à ton anniversaire. Peux-tu imaginer qu'il y a des gosses à qui personne n'a jamais dit je t'aime? Personne au monde. Non. Tu n'as aucune raison d'être jaloux de Sean. Je t'aime, Brian. Tu es mon fils, tu fais partie de moi. Personne ne pourra jamais changer ça. Je suis allée les rejoindre pour leur faire peur.
s'amusaient à jouer les gros bras quand ils étaient ensemble. Alors je me suis approchée tout doucement et j'ai fait des bruits très angoissants, tu vois. Tu les aurais vus tous les deux courir vers la maison à toute vitesse. C'est bien fait pour eux. Ils peuvent être vraiment nuls parfois. Ouais. Allez. T'as vu? Une étoile filante. Où ça? Juste au-dessus. Waouh. C'est toi, Tiffany? Non, c'est moi, Sean. Arrête un peu de rôder et viens t'asseoir avec nous. Je vous dérange pas? On a vu une étoile filante. Il y a une cinquième dimension bien au-delà de toute connaissance humaine. Dimension aussi vaste que l'espace et qui se perd jusque dans l'infini. Un ancien territoire perdu en plein milieu de l'inconnu. Par-delà des sciences et des superstitions. Qui s'étend du plus profond de l'âme humaine jusqu'au sommet de son intelligence. C'est cet univers qu'on appelle la quatrième dimension. J'ai vu tous les épisodes. Oui, on adorait regarder ça là-bas au ranch. Comment c'était là-bas? Regarde, une autre étoile filante. Faut faire un vœu. J'aimerais participer à l'émission Saturday Night Live juste une fois. Je deviendrai une star. Je ferai un malheur. Raconte le tien. Le Grand Prix de Monte Carlo. Je voudrais gagner cette course dans ma Formule 1. T'as fait un vœu? Dis-nous ce que tu voudrais vraiment avoir. Je voudrais avoir une vraie famille. Ils arrivent, ils sont là, vite! Bonjour, mais où ils sont passés? Allez, voilà les petits monstres! Salut, toi. Bonjour, Eva. Je suis content. Alors, c'est toi, Sean? Moi, c'est Amy. Bonjour. Ça va, petit? Ça va. Faut aller décorer le sapin. C'est sympa. Allons-y. Qu'est-ce que t'as dit? Dans mon sac. Et voilà, je l'ai accroché. Ça y est. Déjà fini? Non, attends, je l'ai branché. Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, on va le brancher. Dépêche-toi, Ryan. Tout le monde est prêt? On est prêt. Attention. Wow. Je me demande qui a si bien mis la guirlande électrique. C'est toi, gros malin. À moi. Attention. Allez, au suivant. Attrape-toi, champion. Papa, t'as vu ça? Si on ouvre un autre paquet. Mais où tu vas, toi? Tiens. Oh. Alors, lequel vais-je choisir? Celui-là. C'est un cadeau de Sean pour Brian. Faites passer. Très bien. Brian, un cadeau pour toi. Tu vas voir, attends. Oh, voilà. Tout le monde est gâté cette année, hein? Alors, voir ce que t'as eu, toi. Regarde. Robert, qu'est-ce que c'est? Allez, Brian, montre-nous. Un Walkman. Ouais, il est mieux que l'autre, celui-là. J'étais sûre que c'était toi. Brian. Mais il m'a cassé mon Walkman. Je m'excuse. J'ai pas fait exprès. C'est un accident. Ça va te coûter 6 mois d'argent de poche. Je crois qu'il est temps d'ouvrir un autre paquet. J'espère qu'il est bon, moi, celui-là. Oui, je crois. Pour Sean, de la part de Johnny. Moi, je sais ce que c'est là-bas. Quand on prend autant qu'on met pour faire le petit cadeau. Ouh. Wow. Oh, merci. C'est une tradition familiale. On joue toujours au rugby le jour de Noël. Ah, on va t'apprendre à jouer. Ouais. Très bien, alors pas dans le salon. Allez, un placage. Je suis tous les deux. Mademoiselle Hunter. Ah, monsieur Ross, suivez-moi, j'étais sur le point de vous appeler. Si vous pensez que je vais laisser tomber, vous vous trompez. Mon bureau a des milliers de dossiers en attente, des milliers. Oui, des milliers d'enfants sans visage. Pour vous, ce ne sont que des numéros sur des dossiers. Mademoiselle Hunter,
Vous avez eu l'occasion de voir Grégory? Non, monsieur Ross, je n'ai pas encore eu ce plaisir, mais j'espère le voir. Quand mes collègues auront décidé de réclamer une privation du droit parental. Et ça veut dire que Grégory pourrait être adopté? On ne peut rien vous cacher. Donc je vais m'appeler Sean Ross, hein? Et y compris à l'école. Tout le monde saura que je m'appelle Sean Ross. Exact. Et t'es sûr qu'ils ne pourront plus me placer dans une autre famille? Et tout ça dépend de toi, Sean. Il est encore temps de changer d'avis. Jamais je changerai d'avis, papa. Grégory est là. Vous avez dû vous tromper de numéro. Grégory Kingsley. Écoutez, il s'agit de mon fils. Je veux lui parler immédiatement. Comment se fait-il que Ralph Kingsley soit revenu par ici et que vous ne nous ayez pas prévenus? Écoutez, je suis navrée, mais il s'agit du père et il réclame un droit de visite. L'autre jour, vous m'avez dit que nous allions pouvoir l'adopter. Aujourd'hui, j'apprends que vous organisez une visite avec son père. Tout s'est passé entre Ralph Kingsley et la justice. Nous n'avons fait que lui notifier que nous allions le priver de son droit parental. Et où est la mère dans tout ça? Eh bien, je pense qu'elle semble d'accord pour l'adoption. Peut-être que vous devriez lui parler vous-même. Mais j'en serais ravi. Seulement, vous ne nous donnez aucune information. Écoutez, monsieur Ross, il est déjà très tard. Si vous voulez déposer plainte, allez plutôt en discuter avec le juge. Il a l'intention de négocier les termes du droit de visite à l'audience de demain. Ralph et Rachel seront présents. Et moi aussi. C'est la dernière fois que je vous le dis. Ne courez pas. Oh, dis-leur de s'asseoir et de se calmer. Rachel Kingsley? Oui. Je suis George Russ. Voici ma femme, Elisabeth. Grégory est en placement provisoire chez nous. Ravi de vous rencontrer. Restez assis, je vous en prie. Vous comprendrez que ça nous a fait un choc l'autre soir. Quand Ralph a téléphoné chez nous et a demandé à parler à Grégory, ma fille nous a dit qu'il avait eu l'air un peu fatigué. Il devait être complètement saoul. Nous souhaitions vous rencontrer. J'espère ne pas vous choquer, mais j'aime autant être direct. Vous savez que les services sociaux viennent enfin de nous donner leur agrément pour adopter Grégory. C'est ce qu'il voulait plus que toute autre chose au monde. J'espère que vous respecterez sa volonté. Eh bien, ce que je souhaite surtout, c'est faire ce qui sera le mieux pour Grégory. Je sais, je m'en suis pas beaucoup occupée. J'aurais voulu être une bonne mère pour lui. J'ai essayé. Et j'y suis pas arrivée. Mademoiselle Hunter, si j'ai bien compris la situation, M. Kingsley nous réclame un droit de visite, consécutif à la décision des services sociaux le privant désormais de jouir de ses droits parentaux. C'est exact, Votre Honneur. Votre Honneur. Je voulais juste vous dire... M. Kingsley, selon toute apparence, vous êtes ivre. Alors, je vais vous accorder un droit de visite, mais j'aimerais que vous subissiez un test de dépistage d'imprégnation alcoolique. L'acceptez-vous? Oui, monsieur. Puis-je intervenir, Votre Honneur? Je vous écoute, Monsieur Ross. Votre Honneur, je m'inquiète sur les mauvais effets que produiraient ces visites sur Grégory. Il m'a clairement dit à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas revoir son père. Lorsque Grégory n'avait que 8 ans, son père a été inculpé de coups et blessures et de mauvais traitements à enfants. Et je crains que Grégory ne redoute une récidive. Mais il n'y aura pas de récidive, n'est-ce pas, Monsieur Kingsley? Non, monsieur. Très bien. Allez vous faire cette prise de sang tout de suite. Moi,
moins, le juge s'est rendu compte du genre de type à qui on a affaire. Si jamais vous voulez m'empêcher de voir mon fils, vous allez le regretter. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était revenu. Sa mère est d'accord? Elle travaille le samedi. Faut pas qu'il lui dise, c'est tout. Sean? Non. Sean, ne me refais jamais une peur pareille. Pourquoi tu n'étais pas dans le bus? Je suis descendue quand j'ai vu ta voiture. Allez, rentrons. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Rien du tout. Moi, je vais reprendre une tartine. Mets ta serviette, tu vas en mettre partout. S'il te plaît. Qui veut encore du jus d'orange? Moi. S'il te plaît, maman. Je pense que j'entrerai en stop ce soir. Attends. Écoutez-moi. Personne ne va nulle part sans que votre mère ou moi sachions où vous allez. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. On veut simplement savoir où vous allez. Sean, c'est moi qui t'emmène à l'école aujourd'hui. Je veux pas le revoir. Je sais. Ils peuvent pas m'obliger à le voir si j'ai pas envie. Bien sûr que si. Mais c'est pas normal. Pourquoi le juge n'a pas demandé à me voir? Ça compte pas ce que j'en pense. Ça compte pour moi. Mais pour le juge, tu es un mineur. Alors, parce que je suis un enfant, je peux avoir aucun droit. Bonsoir, mademoiselle. Madame Ross, est-ce que votre mari est là? Mademoiselle Hunter, quelle bonne surprise. Mais entrez, je vous en prie. Entrez. Ça ne prendra qu'une minute. J'ai pensé que je devais vous le dire en personne. Nous avons réexaminé aujourd'hui le dossier de Grégory. Et puisque son père a obtenu un droit de visite et que sa mère semble s'occuper parfaitement de ses deux plus jeunes enfants, nous avons décidé de réclamer leur réunification. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Grégory doit retourner vivre avec ses parents. Après tout, c'est notre rôle de ressouder les familles éclatées, monsieur Ross. Oui, mais dites, attendez une minute. Quelle idée vous vous faites d'une famille, hein? Croyez-vous que ce sont des gens qui ne partagent que le même nom et la même adresse? Je vais vous dire ce que j'en pense. C'est tout de même incroyable. Grégory vit aujourd'hui avec des gens qu'il aime, avec qui il est bien. Pour la première fois, il a une vraie famille. Alors je vous préviens que je ne vous laisserai pas faire si facilement. Monsieur Ross, vous avez signé un contrat qui vous assurait que la garde provisoire de cet enfant, si vous tentez quoi que ce soit pour gêner la bonne marche de cette affaire, nous serons forcés de reprendre Grégory dans les plus brefs délais. Sean! 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 Non! Ils vont venir pour me reprendre! Non! Arrête! Non! Personne ne reviendra, ne t'inquiète pas. Personne ne viendra te reprendre, je te l'ai promis. Je ne les laisserai pas. Je ne les laisserai pas t'emmener. Qu'est-ce qu'on va faire de moi? Ah, chaude. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'avais demandé. Tu voulais savoir pourquoi? Les enfants ont moins de droits que nous. Eh bien, ce n'est pas si sûr. Vois-tu, la Constitution garantit certains droits à tous les citoyens dont tu fais partie. Bien sûr, la justice n'a pas toujours reconnu les droits des enfants par le passé, mais malgré tout, ces droits existent. Il y a toutes sortes de personnes dont les droits n'ont pas été convenablement reconnus. Par exemple? Eh bien, certains Américains, les Afro-Américains, les femmes. Mais ils se battent pour faire avancer les choses. Toi aussi, si tu le veux. Comment?
Tout d'abord, il faut que tu prennes un avocat. Et si tu devenais mon avocat? Non, je ne peux pas. Tu as entendu ce que l'assistante sociale a dit? Si jamais j'interviens de quelque manière, cela briserait mon contrat avec l'État et il pourrait te reprendre. Alors, qui va être mon avocat? On m'a donné le nom d'une personne qui est une spécialiste du droit des enfants. Tu veux bien l'appeler? Sean, tu vas l'appeler. Tu dois le faire toi-même. Tu peux téléphoner d'ici. Bonjour, Sean. Je suis Jerry Blair. Viens avec moi. Je n'ai pas souvent des clients de 11 ans, tu sais. Et moi, je n'ai pas souvent eu d'avocat. Vous êtes la première, en fait. Alors, dis-moi pourquoi tu es venue. Parce que je vais être adoptée. Te rends-tu compte que pour en arriver là, il faudra poursuivre ta mère et ton père en justice pour les priver de leur autorité parentale? Oui. Sean, il faut que je sois sûre que tu comprends bien tout ce que cette action judiciaire implique et que tu aies vraiment envie de le faire. Ça veut dire que mes parents ne s'occuperaient plus de mon éducation et que je pourrais être adoptée par les Russes, c'est ça? Oui, mais tu dois savoir que ce n'est pas seulement qu'ils n'interviendront plus dans ton éducation. Ralph et Rachel ne seront plus jamais tes parents. Et Zachary et Jérémia ne seront plus tes frères. Est-ce que tu as conscience de ça? Ça fait rien. J'ai une autre famille maintenant. Mais si jamais ta mère gagnait 50 millions de dollars à la loterie, tu te rends compte que tu ne pourrais pas profiter de cet argent? Ça m'est égal. Pourrais-tu me dire pourquoi tu ne peux pas continuer à vivre avec ta mère? Sean. Si tu veux que je t'aide, il faut qu'on parle de tout ça. J'ai pas confiance en elle. Parce qu'elle ne me garde jamais. Elle me place dans des foyers. En me disant que c'est provisoire, mais... Mais c'est pas vrai. Je préfère être honnête avec toi. C'est une affaire très délicate. Ce que nous devons accomplir avant tout, c'est obtenir du juge qu'il reconnaisse que tu as le droit de porter cette affaire en justice en ton nom. George Ross et moi avons fait pas mal de recherches et à notre connaissance, tu serais le premier enfant mineur à entreprendre une pareille démarche. D'habitude, ce sont les parents nourriciers qui portent plainte, pas l'enfant. Mais dans ce cas-là, les services sociaux pourraient me reprendre. C'est exact. Voilà pourquoi nous préférons que ce soit toi qui portes plainte. Et par ailleurs, ça pourrait aider plein d'autres enfants de savoir qu'ils ont des droits, eux aussi. Je porterai plainte moi-même. D'accord. Tu auras le droit de changer d'avis à n'importe quel moment pendant la procédure. Tout ne dépendra que de toi. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux que je sois ton avocat? Oui. Sean, avant que tu partes, il y a un dernier détail dont je voudrais te parler. Ce sont mes honoraires. Je croyais que mon père... Non, non, ce n'est pas ton père qui doit payer, parce que sinon ce serait son dossier et pas le tien. Alors il va falloir que tu trouves la solution toi-même. C'est vrai? Je crois que tu collectionnes des autocollants de sportifs. Est-ce que tu en as de joueurs de baseball? Oui. Tu as celui de Stargirl? Dans sa nouvelle tenue? En bon état, tu es sûr? Oui, c'est mon plus bel autocollant. Alors, donne-moi Stargirl et comme ça, nous serons quittes. Vous voulez celui de Yastrzemski? J'en ai un très chouette de lui. Stargirl. Ça marche. Yastrzemski. Au revoir. Au revoir.
Merci de défendre Erickson à ma place. Oh, tu as tellement à faire avec le dossier de Sean. Écoute, et en plus, tu as le juge Kirk. C'est un type bien. Il connaît son dossier. Il n'a jamais eu ce genre d'affaires auparavant. Personne, d'ailleurs. Qui c'est ton plus gros problème? La mère ou le père? Oh, le père, sans aucun doute. Je ne crois pas que Rachel ait très envie de récupérer son gamin. Quant à Ralph, qui sait? T'es prêt? Monsieur Ross, votre femme au téléphone, elle dit que c'est urgent. Vous pouvez la prendre dans le bureau. Merci. Ralph vient d'appeler. Il a demandé à voir Sean demain. Il était surexcité, il jurait comme un charretier. Il vous attendra demain au ranch à 15h. Je suis même pas sûre de le reconnaître. Non, bien sûr que si. Combien de temps il faudra que je lui parle? S'il était toi, j'attendrais de voir comment ça va se passer. Je sais d'avance comment ça va se passer. De la même manière que d'habitude. C'était Ralph. Il a dit qu'il ne pourrait pas venir aujourd'hui. C'est incroyable. Il préfère les pires menaces pour nous obliger à venir à ce rendez-vous et puis c'est lui qui ne vient pas. Quand il est à jeun, c'est pas vraiment le mauvais gars. Écoutez, j'ai eu récemment des nouvelles de l'assistance sociale. Ils savent que vous portez plainte pour que Ralph soit privé de son droit parental. Non, pas moi. Non. Sean, oui. Ils vous ont déjà prévenu que si vous portiez plainte, ils vous retireraient Sean. Ils redoutent énormément les répercussions médiatiques que pourrait avoir une affaire comme celle-ci. Mike, vous leur direz de ma part que si jamais ils nous reprenaient Sean, il y aura des retombées qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Ils décident de tout depuis trop longtemps, mais cette fois-ci, je ne marche pas. Et vous voulez que je vous dise? Ils ont choisi le mauvais cheval cette fois-ci. Déjà tard, je vais aller téléphoner. Cette histoire risque de faire du bruit dans la magistrature, Georges. Si on les secouait un peu, ça leur ferait le plus grand bien. Georges, ça va? Jane. Oh, Jerry Blair, voici Jane Carey qui a été désignée pour représenter Rachel Kingsley. Comment allez-vous, Jane? Oh, je crois que j'ai besoin de vacances. Ils me font courir dans toutes les directions en même temps. À propos, j'ai parlé à Rachel ce matin. Je lui ai conseillé de consentir à l'adoption. Elle n'est pas en état de s'occuper d'un autre enfant. Elle a accepté. Donc, si vous passez lundi au bureau, je vous donnerai le formulaire. Désolée, il faut que je me sauve. Ravie de vous avoir rencontré. Mais moi aussi. À bientôt, Jane. Ça y est. Ah, je vais finir par croire que vous avez un ange gardien qui veille sur vous, là-haut. Non, j'ai hâte de voir ce qui va se passer demain avec Ralph. Bientôt, tu seras plus grand que ton vieux père. Tu veux pas aller faire un tour? Essaie de mener une vie plus stable en ce moment. Tu seras fier de moi. Pendant que j'y étais, j'ai arrêté de picoler. C'est bien. Tu te rappelles quand on faisait des grandes virées en voiture? C'est bien marré quand même. J'aimerais bien qu'on recommence. T'es plus vieux maintenant, on serait un peu comme deux bons copains. Je veux pas être ton copain. Après tout, c'est bien fait pour moi. Je sais que j'ai tout raté, je m'en rends compte. Je t'aime, Grégory. Je veux que tu n'oublies jamais ça. Je sais. Je t'aime aussi. Mais je veux pas vivre avec toi.
Oui, je me rends compte qu'il vaut mieux qu'il vive avec vous. J'en veux pas. Vous, au moins, vous avez une vraie famille. Merci. Je lui ai dit d'attendre une semaine et d'ici là, s'il n'a pas changé d'avis, je viendrai signer tous les papiers. Papa, je peux monter? Tu peux attendre un instant? Oh, laissez-le. Ralph, je veux vous serrer la main, je suis Liz Russ. Je viens de dire à votre mari que je trouve que vous avez fait du bon boulot avec mon fils. C'est un gamin exceptionnel. Vous devez en être fier. Je crois qu'il se méfie moins des autres, il accorde sa confiance. Il devient un homme, je crois. Vous savez, nous espérons que vous resterez présent dans sa vie. C'est très gentil à vous de dire ça compte tenu de la manière dont je me suis conduit. Parfois, ça m'arrive de disjoncter complètement. Je crois que j'ai un problème avec l'alcool. Ralph, chacun de nous a ses propres faiblesses. Alors on essaie tous de progresser. Monsieur Ross? Je me demandais si vous aviez apporté ces papiers. Oui, oui, ils sont là. Dans la voiture. Vous pouvez les prendre? Je vais les signer pour vous. Et pour Grégory. Jane Carré, j'écoute. Jane, Jerry Blair à l'appareil. J'ai une bonne nouvelle. Ralph vient de signer le consentement. Je me demandais si de votre côté, vous aviez obtenu la signature de Rachel. Rachel a changé d'avis. Elle n'a plus l'intention d'abandonner Grégory. Mon père dit que tout dépend du juge, mais moi, j'ai pas envie de la voir. Sean, il faut que tu comprennes que la justice essaie de faire de son mieux. Avant de déchoir Rachel de ses droits parentaux, ils doivent être absolument sûrs que leur décision est la meilleure. Pour toi et pour elle. Mais pourquoi elle veut me garder maintenant? Je l'ai supplié de me garder avec elle. Elle voulait jamais. Pourquoi elle le veut maintenant? Je ne peux pas répondre à sa place. Et puis, elle a Jérémia et Zachary avec elle. Elle s'est débarrassée de moi. Dites au juge que je veux pas la voir. Ça ne va pas arranger les choses. Viens. Il y a encore une chose à laquelle tu dois réfléchir. Ce procès va faire beaucoup de bruit. Les journaux vont en parler en première page et ça va intéresser la télévision. Alors ton père et moi avons pensé que les services sociaux auraient trop peur de te retirer à ta famille à présent que les médias vont en parler. On a pensé qu'il vaudrait mieux que ce soit ton père qui porte plainte. Donc ce n'aidera pas d'autres enfants? Non. Alors, il vaut mieux que je porte plainte. Sean, jusque-là, nous avons réussi à cacher ton identité. Les médias ne parlent de toi qu'en t'appelant Grégory. Mais un jour ou l'autre, ils découvriront ton véritable nom. Ça m'est égal. Les enfants de l'école le sauront. Les gens vont se mettre à dire des choses qui ne seront pas très gentilles. Tu sais que les journaux t'appellent déjà l'enfant qui voudrait divorcer de ses parents. Il faut que ce soit moi qui porte plainte. Tu en es sûr? Ok. C'est toi qui décides. Est-ce que je vous ai dit que Rachel avait accepté de participer à deux émissions de télévision très regardées? Mais voilà ce qui l'a fait changer d'avis. La sollicitation des médias. Vous savez très bien que même sans publicité, la justice tranche toujours en faveur de la famille biologique. Non, eh bien, qu'elle aille se montrer à la télévision, ça m'est égal. Le public verra bien qu'il n'a pas affaire à Mère Teresa. Non, c'est même tout le contraire. À tout point de vue. On sait qu'elle a consommé de la drogue et qu'elle a eu une vie privée plutôt agitée, mais il faut qu'on arrive à prouver ses allégations. Votre Honneur, je peux comprendre que mon fils n'ait pas confiance en moi. Mais si je n'ai plus aucun contact avec lui, comment je vais lui prouver que je l'aime, que je veux la voir avec moi et que je serai toujours sa mère? Votre Honneur, elle a eu à peu près 12 ans pour prouver à son fils à quel point elle l'aimait. Mais elle n'a même pas essayé d'aller le voir pendant ces deux dernières années, depuis qu'elle l'avait une fois de plus abandonné. Pourquoi a-t-elle attendu que son enfant soit admis au sein d'une famille heureuse et stable qui souhaite l'adopter avant de manifester le moindre intérêt à son égard? J'ai envie de garder mon fils parce que c'est moi sa mère. Votre Honneur, Rachel Kinsley a effectivement donné le jour à Grégory.
Mais ces réactions ne peuvent pas être confondues avec celles d'une mère digne de ce nom. Merci, je crois que j'ai entendu suffisamment d'arguments sur ce sujet pour aujourd'hui. Je pense que je vais réserver ma décision et suggérer que les parents nourriciers et la mère de l'enfant puissent s'entretenir et je ne souhaite trouver un terrain d'entente. Je compte sur vous, maître, pour me tenir informé. Je la déteste. Mais non, voyons. Tu es juste en colère après elle. Mais n'oublie pas qu'elle a eu une vie difficile. C'est vrai, je la déteste pas, mais j'ai pas envie de la voir. Non, je crois que le juge va pourtant lui accorder un droit de visite. Ça m'est égal ce que le juge va dire, j'ai pas envie de la revoir. Tu as dit la même chose avant de revoir Ralph, et ça s'est pas si mal passé. Je n'y comprends rien. Mais si, au contraire, Ralph me rappelle tellement mon père. Quand j'avais ton âge, j'étais tout aussi inquiet et aussi angoissé que toi. Sean, tu as déjà traversé beaucoup plus d'épreuves que la plupart des gens n'en connaîtront dans toute leur vie. Tu es un survivant. Surtout, n'oublie jamais ça. Tes petits frères te donnent ces photos d'eux. Oh, tu sais, ils parlent de toi sans arrêt. Oh, hier, Zachary est venu me dire « Oh, pleure pas, maman. Grégory viendra bientôt, tu verras. » Ils ne comprennent pas pourquoi tu leur fais ça. Ils ne comprennent pas pourquoi tu veux me faire souffrir. Ils t'attendent à la maison. Grégory, on t'attend tous. J'ai trouvé une autre maison. Oh. On dirait vraiment que tu me détestes. Je suis ta maman. Je te déteste pas. Alors, tu m'aimes bien? Pourquoi est-ce que tu refuses de dire que tu aimes ta maman? Hein? Qui t'a demandé de ne pas le dire? Excusez-moi, vous le stressez, n'insistez pas, je vous prie. N'insistez pas. Et moi qui attendais tellement cette rencontre, depuis si longtemps. Regarde, je me suis acheté une jolie robe pour venir te voir. Ah, je l'ai oublié. Je t'ai apporté un beau cadeau, mon chéri. Il est dans ma voiture. Tu veux venir le chercher avec moi? Non. Tu tiens vraiment à faire pleurer ta maman, Grégory? Je t'aime pas, c'est clair. Tu m'as toujours menti. Tu m'as toujours menti. Ça va aller, c'est fini. Il était tout tremblant, Lise. Il ne pleure jamais. Il sanglotait. Il ne s'arrêtait plus. Je sais ce qu'il a ressenti. Je connais la peur qu'il ressent. Je m'en souviens. Je n'ai rien oublié. Je me souviens quand mon père rentrait. Ivre. J'avais tellement peur. J'étais si seul aussi. Je vivais dans sa maison.
je n'ai jamais existé dans sa vie. Il n'a jamais mis son bras autour de moi. Je ne saurais jamais si... s'il m'a aimé. Viens voir maman. Approche. Là. Et voilà. Ça y est, tu peux aller sur la plage. Ah, vous, tu es content d'avoir pu venir avec les enfants. Oui. Oui, ça fait du bien de changer d'air. De temps en temps. Attrape ! Voilà ! N'éteigne pas les bougies. Oh, là, je pense que j'ai failli rater la marche. Non, les ouvre pas encore. Non. Je peux ouvrir maintenant. Non. Ça y est, ouvre les yeux. Allez, joyeux anniversaire. Ferveux. Respire bien. Je voudrais la mer. Et encore, je vais gagner. Je crois qu'elle triche. Oh, c'est pas vrai, mon vieux. Oh, j'arrête si tu triches. Non, mais c'est pas le moment. C'est un écoute. Modeste par-dessus le marché. Et alors, on continue ou pas? Oui, c'est surtout qu'il faut avoir... Nous sommes rendus chez ses parents qui vont nous en parler. Johnny, remets l'autre. Je vous rappelle le score. Bon, ben, je pense que mon fils Grégory est heureux maintenant. Il a tout ce qu'il lui faut. Tout ce qu'un garçon de son âge a besoin. Alors pourquoi je vais lui enlever tout ça? Madame Kingsley, votre ex-mari soulève une question importante. Grégory est à présent à l'abri du besoin. Vous ne croyez pas que c'est mieux pour lui? Non, bien sûr. Maintenant, il a une console Nintendo et des vêtements très chics. C'est pour ça qu'il voulait être adopté, vous comprenez? Pour avoir sa chambre à lui tout seul et un ordinateur. C'est des choses que j'ai jamais eu les moyens de lui offrir. Mais alors, Madame Kingsley, est-ce que vous pouvez nous bon, dire si votre avocat... Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Brian parle moins fort. Sean est au téléphone avec Rachel. Non. Non. Tu nous manques beaucoup. Appelle-nous à la maison, Grégory. Allez, à bientôt. T'as encore appelé ton gamin? Ouais, qu'est-ce que ça peut te faire? Je veux pas que tu me parles comme ça. Ça te dérange? Laissez-moi faire. Pas trop le trac? Oh, si. J'ai toujours l'estomac noué la veille d'un procès. Ça m'inquiéterait si je ne l'avais pas. Comment faites-vous pour tenir le coup? Je préfère quand même les affaires où je ne suis pas impliquée de façon personnelle. Monsieur Ross. Madame Blair, vous avez... Je vous en prie, ne soyez pas trop sévère envers l'assistance sociale. Mieux, ne leur en parlez pas du tout. Quel effet ça fait de représenter le premier enfant au monde qui essaie de divorcer de ses parents? Vous savez, cette curieuse expression fait peut-être vendre des journaux en l'imprimant, mais elle est mal utilisée. Car pour obtenir un divorce, il suffit que deux personnes disent qu'elles ne s'entendent pas. Grégory doit prouver l'abandon, le mauvais traitement. Et comment paie-t-il vos honoraires? J'ai accepté l'affaire pro bono. Maintenant, il faut vraiment qu'on y aille. Monsieur Russ, Rachel Kingsley dit que vous avez choisi Grégory parmi d'autres enfants comme on choisit un chiot dans un chenil. Alors n'est-ce pas un procès de plus des riches contre les pauvres? Alors, premièrement, je ne suis pas riche. Et deuxièmement, ma femme et moi, nous avions déjà 8 enfants à nous. Alors je n'ai jamais été en choisir un 9e.
Ce n'est pas un procès de riches contre des pauvres. C'est le procès d'un enfant dont les besoins ont été négligés par sa mère et par l'État, et qui se sert de ses droits constitutionnels pour être entendu. Essaie de dormir un peu. Il a les chocottes? Oui, bien sûr. Il va gagner? Brian, on espère qu'il va gagner, mais on n'a aucune garantie. Mais ils n'ont pas le droit de le reprendre. C'est dingue. C'est mon petit frère. Oui. Bonne nuit, les filles. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma puce. Maman? Comment tu te sens? Ça va. Maman, tu crois que Dieu écoute toutes les prières? Oui, pourquoi? Même celles qui parlent de procès? Le bon Dieu écoute toujours ce qui est important pour nous. Votre honneur, je me présente devant vous aujourd'hui pour représenter un petit garçon qui vient juste d'avoir 12 ans et qui souhaite plus que tout au monde pouvoir être adopté par George et Elizabeth Ross. Je m'emploierai à prouver à la cour que mon client, Gregory Kingsley, a été terriblement négligé, puis abandonné par sa mère, Rachel Kingsley. Mon client demande qu'elle soit déchue immédiatement de son autorité parentale envers lui. Votre honneur, aux États-Unis, on considère que les enfants sont la propriété de leurs parents. Ce ne sont pas leurs propriétés. Ce sont des êtres humains qui ont besoin d'amour et de sécurité et qui sont habilités à jouir de tous les droits de notre Constitution. Le sujet de ce procès qui s'ouvre aujourd'hui, qui ne concerne hélas pas que ce petit garçon, c'est le respect, les droits de tous les enfants, où qu'ils soient. Votre honneur, Rachel Kingsley n'est certainement pas la mère idéale qu'ont connue les générations passées. Elle est exactement le reflet de la société moderne. Une simple mère de famille. Une mère de famille défavorisée. Et en effet, une mère qui a commis quelques bêtises. Mais on est ici dans une salle d'audience, pas dans un concours de beauté. La question à se poser n'est pas qui peut offrir à Gregory Kingsley les jouets les plus sophistiqués ou la maison la plus confortable. La seule, la vraie question qui se pose à nous aujourd'hui est la suivante. A-t-on le droit de briser le lien le plus sacré? Celui qui unit une mère à son enfant. Votre honneur, qui, à part Dieu, a ce droit? Monsieur Ross, est-ce que Gregory a abordé avec vous le sujet de son adoption? À plusieurs reprises, oui. Et avez-vous essayé de lui dire de ne pas s'emballer? Oui. Et j'ai fini par lui expliquer que l'on m'avait bien spécifié qu'en aucun cas, on ne devait en discuter ensemble. Est-ce que Gregory continuait à demander à être adopté? Oui. Souhaiteriez-vous l'adopter? Bien sûr. Monsieur Ross, si Gregory venait vous trouver aujourd'hui et vous disait qu'il avait changé d'avis et qu'il préférait retourner vivre avec sa mère, que feriez-vous? Ça me briserait le cœur, mais même si j'en souffrais, je ferais tout pour respecter sa décision. Je vous remercie. Monsieur Ross, est-il exact que vous ayez signé un contrat avec les services de l'assistance sociale? Si c'est ma signature, il n'y a pas de doute. Voudriez-vous relire le paragraphe portant le numéro 3, je vous prie?
Est-il exact que le paragraphe portant le numéro 3 précise « Nous ne tenterons aucune action pour obtenir la garde permanente de cet enfant. » C'est bien écrit noir sur blanc. Monsieur Russ, vous êtes un homme de loi. Vous saviez ce que vous faisiez en signant ce contrat. Vous vous engagiez par ce document à n'entreprendre aucune démarche pour adopter Gregory Kingsley. Donc, vous avez sciemment trahi cet engagement, n'est-ce pas? Je crois que ça ne fait aucun doute. Mais les services sociaux n'ont jamais veillé à protéger cet enfant. Par conséquent, j'avais une obligation légale et morale d'agir au nom de cet enfant. Monsieur Russ, répondez à ma question. Est-ce bien votre signature en bas du contrat? En effet. Monsieur Russ, je n'aurai aucune déclaration. S'il vous plaît, monsieur Russ. Pourquoi vous donnez votre sentiment à l'issue de cette première journée d'audience? Vous êtes son avocat. Quel sens a-t-il de rester chez monsieur et madame Russ? S'il vous plaît. Monsieur Russ. Je vous en prie, je n'ai rien à vous dire. Plus tard. Monsieur Russ, il s'agit de quelque chose d'important. Jerry, retrouvez-moi à votre bureau. D'accord. Des preuves. Mais qu'est-ce que c'est? Écoutez. Allô, les urgences, j'écoute. Mon beau-père vient de pousser maman dans l'escalier et elle saigne de partout. Rachel? Tu veux que j'envoie une ambulance, mon lapin? Il lui tape dessus de toutes ses forces, il va revenir, faut que je raccroche. Dépêchez-vous. Ça va passer sur toutes les chaînes de télévision dès ce soir. Madame Kingsley, Gregory est allé vivre avec Ralph sur une période d'à peu près 4 ans. À cette époque, chaque fois qu'il vous appelait, il vous suppliait de venir pour le rechercher. Est-ce exact? Oui. Et vous ne l'avez pas fait? J'avais pas le choix. Vous ne l'avez pas fait? Non. Quand Gregory est finalement venu vivre avec vous, est-il exact que vous dépensiez beaucoup d'argent pour acheter de l'alcool et de la drogue? Non. Que vous laissiez continuellement les enfants à la maison sans surveillance? Non. Vous viviez avec une femme appelée Heidi Jensen la plupart du temps à cette époque, n'est-ce pas? Oui. Et vous en étiez amoureuse? Non. Vous avez pourtant dit à vos amis que vous en étiez amoureuse. À ces mêmes amis, vous avez annoncé que vous alliez faire placer vos enfants dans des foyers pour pouvoir vivre avec elles. Absolument inexact. En ce moment, vous dites avoir retrouvé votre stabilité en partie grâce à un homme qui s'appelle Stephen Hack. Oui. Lui arrive-t-il d'être brutal avec vous? Non. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé dans la nuit du vendredi 28 août 1992? En voulant descendre, éteindre les lumières, j'ai glissé, je suis tombée dans l'escalier. Vous rappelez-vous avoir raconté à une assistante sociale en Floride que vous aviez failli marcher sur le chat? Oui. Est-ce que vous savez que votre fils Zachary a appelé le service des urgences, puis la police pour signaler que Steve était en train de vous battre? Oui, je sais. Alors, quelle version donnez-vous aujourd'hui, Rachel? Celle de la lumière? Celle du chat? Ou celle de Steve, répondez. Attendez, je suis descendue pour éteindre toutes les lumières. Le chat dormait sur une marche de l'escalier. Et voilà toute l'affaire. J'ai trébuché sur le chat. Asseyez-vous, je vous prie. Veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît. Janet Glynn. Rachel Kingsley était votre belle-sœur, c'est bien ça. Depuis quand connaissez-vous Rachel? Je pense que ça fait 11 ans. Savez-vous si, oui ou non, Rachel avait beaucoup de petits amis à l'époque? Oui, des fois ça m'arrivait de débarquer chez elle, assez tôt dans la matinée, et souvent j'ai vu des hommes qui sortaient de sa chambre. Rarement les mêmes. Et j'en ai vu qui lui laissaient un peu d'argent. Les enfants étaient-ils dans la maison ces matins-là? Oui. Avez-vous déjà vu Rachel fumer de la marijuana en présence de ses enfants? Oui, madame. Et boire aussi? L'avez-vous déjà vu ivre en présence des enfants? Oui, très souvent. Quand Rachel vivait avec Heidi Jensen, vous souvenez-vous qu'elle vous a dit à cette époque, en confidence, qu'Heidi avait un problème avec les enfants? Elle m'a dit qu'Heidi n'aimait pas avoir les enfants dans les pattes. Est-ce que Rachel vous a dit un jour qu'elle était amoureuse de Heidi Jensen? Oui.
Avez-vous déjà vu Rachel battre ses enfants? Oui, parfois, elle leur envoie des claques au travers de la figure. Mais un jour, je me souviens, on était à table. C'est vraiment une chose que j'oublie pas. Grégory devait avoir à peu près 2 ans et demi. Et je me souviens pas ce qui s'était passé. Mais Rachel a quitté la table d'un seul coup et elle a frappé le petit sur la tête. Alors il est tombé sur le sol en hurlant. Pourquoi êtes-vous venu ici pour témoigner aujourd'hui? Parce que j'ai vu tout ce que ces enfants ont vécu. Et qu'il a fallu... Il a fallu attendre trop longtemps pour que quelqu'un s'intéresse à ces gamins. Et pour que Grégory ait enfin la chance d'avoir une vie normale avec des parents qui l'aiment vraiment et qui ne le laisseront pas tomber. Alors je me suis dit que ça en valait la peine. Merci beaucoup. Pas d'autres questions. Madame Ross, vous dites vous sentir désolée pour Rachel. Oui. Pourriez-vous me dire pourquoi? Parce que je sais qu'elle a connu tout au long de sa vie un tas d'épreuves cruelles. Et que souvent elle a rencontré des gens qui l'ont fait souffrir. Alors je ne peux m'empêcher de penser que peut-être, si elle avait eu une enfance différente de ce qu'elle a eue, peut-être qu'il aurait été possible qu'elle devienne une maman différente. Et tout ça ne lui serait jamais arrivé. Et puis je crois qu'elle aime vraiment ses enfants. Je crois qu'elle voulait devenir une bonne mère. Mais qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. Et pourriez-vous me dire ce qu'est une bonne mère, à votre avis? Je crois que c'est une femme qui aime son enfant, sans aucun doute. Mais c'est plus que ça. Elle doit prouver cet amour dans toutes ses actions. Votre Honneur, j'appelle Grégory Kingsley. Levez la main droite. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Asseyez-vous. Déclinez votre identité, s'il vous plaît. Grégory Kingsley. Quel âge avez-vous? 12 ans. Est-ce que vous comprenez la différence qui existe entre le mensonge et la vérité? Oui. Très bien. Grégory, depuis la première fois où vous avez quitté votre mère jusqu'au moment où vous êtes parti pour vivre chez M. Ross, votre mère vous a-t-elle jamais envoyé une seule lettre? Non. Au moment des fêtes de Noël, est-ce qu'elle vous envoyait des cadeaux? Non. Et pour vos anniversaires? Non. Est-ce que c'est elle qui vous téléphonait? Ou est-ce que c'est vous qui l'appeliez? Oui, c'est toujours moi qui l'appelais. Quelle impression ça vous faisait qu'elle n'appelle jamais? Je pensais qu'elle avait décidé de m'oublier. Est-il jamais arrivé qu'un des membres de la famille Ross vous dise que votre mère ne vous aimait pas ou qu'elle ne vous avait jamais aimé? Non. Est-ce qu'ils vous ont déjà dit du mal d'elle ou quelque chose de méchant à son sujet? Non. Est-ce que vous aimez George Ross? Oui. Est-ce que vous aimez Lise Ross? Oui. Est-ce que vous aimez Rachel Kingsley comme une mère? Non. Est-ce que vous la détestez? Non. Est-ce que vous avez porté plainte contre elle pour lui faire du mal? Non. Non, je l'ai fait pour moi. Pour qu'on puisse m'adopter. C'est tout, votre honneur. Pas d'autres questions? Grégory, quand vous avez décidé de changer de prénom pour vous faire appeler Sean, on aurait dit que c'était pour marquer votre intention de commencer une nouvelle vie. C'était comme une deuxième naissance pour vous? Oui. D'accord. Sean, vous pouvez vous retirer. Je crois que Lise Ross a tout compris quand elle a dit qu'être une bonne mère, c'est mettre son amour dans ses actions.
Grégory n'est pas exigeant, finalement. Car que demande-t-il? Se sentir en sécurité le matin quand il se réveille. Savoir qu'il a une famille, savoir qu'il a des parents. Votre Honneur, il y a des milliers d'enfants comme Grégory qui sont prisonniers de cette condition de placement provisoire dans notre pays. Mais Grégory a trouvé un moyen de refuser ce système. Je dirais, en résumé, qu'il a fait entendre sa voix. Et ce que ce petit garçon de 12 ans réclamait haut et fort, c'est quelque chose qui semble normal à la plupart d'entre nous. Ce que Grégory a toujours voulu avoir, ce sont ses propres mots. C'est une vraie famille. Il est évident pour moi que Grégory mérite enfin de vivre dans un univers dans lequel il se sent aimé et protégé. Les droits parentaux ne sont pas inaliénables et ne doivent pas être pris pour argent comptant. Les droits parentaux se méritent par les sacrifices et l'amour, les responsabilités. Je crois, et on n'a pas cessé de nous en donner la preuve pendant ce procès, que cet enfant a été négligé et abandonné par sa mère naturelle. Par conséquent, il est dans l'intérêt manifeste de Grégory que sa mère soit privée de ses droits parentaux immédiatement. Par ailleurs, je ne vois aucune raison de différer ma décision en ce qui concerne cette adoption. Sean, à partir de cet instant, vous êtes le fils de George et Elizabeth Ross. Malgré tous les détails juridiques qu'il a fallu régler, malgré tous les obstacles qu'il a fallu franchir, nous sommes devenus une vraie famille, une parmi tant d'autres. Nos enfants précédents nous avaient appris à ressentir la joie ou la peine, à aimer et à être aimé. Mais Sean nous aura appris à espérer.